Israël n'a pas l'intention de retirer ses portiques de sécurité à l'entrée de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. De nouvelles caméras de surveillance auraient même été mises en place. L'installation de détecteurs de métaux à la suite du meurtre de deux policiers israéliens a entraîné une flambée de violences meurtrières. Sous pression, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou réunissait ce dimanche son cabinet de sécurité pour tenter de trouver une issue à la crise. Depuis l'apparition des portiques il y a une semaine, les fidèles musulmans boycottent le lieu saint et prient à l'extérieur du site. En parallèle, les violences ont fait 8 morts, 5 Palestiniens et 3 Israéliens à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Le président palestinien Mahmoud Abbas a lui décidé de geler ses contacts avec l'État hébreu. Parmi les réactions internationales, le pape François est intervenu depuis le Vatican. Je suis avec une vive inquiétude, les graves tensions, a-t-il dit, en appelant à la modération et au dialogue. Le quartet pour le Moyen-Orient, comprenant l'Union européenne, l'ONU, les États-Unis et la Russie, a aussi appelé une retenue maximale. Le sujet sera au menu d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité des Nations Unies ce lundi.